Allez, bonsoir à tous, salut tout le monde, bienvenue donc à Lyon. Donc nous avons fait donc une première escale donc à Lyon tout à l'heure, comme vous le savez. Donc nous partons de Lyon sous la pluie, vous voyez un petit peu ce temps qui est un peu dégueulasse. Quand je dis dégueulasse, c'est dégueulasse, il flotte. Donc ça tombe plutôt bien, on va mettre nos essuie-glaces, donc qui vont tourner tout seul. Donc on va partir de Lyon en 17 gauche, d'accord, et une arrivée 25 à Orly, d'accord, donc à l'aéroport donc de Paris-Orly, et donc nous repartirons après direction Bratislava, puis après direction Paris, puis après direction Dublin, pour après revenir donc en France directement et faire notre pause donc du côté de Dublin avant de reprendre les activités. Donc vous voyez, il va y avoir beaucoup de vidéos, on rattrape notre retard qu'il y a eu. Alors, afin de préciser un peu beaucoup de choses et afin de vous expliquer avant de commencer ce vol, donc la personne qui a fait ça, ce qui s'est passé, donc comme vous le savez, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont été cachées, qui vous ont été disséminées, beaucoup de signalements faux et on dit. Donc j'aimerais adresser mon message les plus sincères donc par rapport à ce qui s'est passé au réseau Vatsim et donc suite à la personne qui a usurpé mon identité. C'est une personne qui fait ça chez chaque grand youtubeur français et qui agit dans le but de nuire aux gens sur internet, d'accord. Donc voilà, donc là-dessus, moi je ne suis pas responsable. Donc il a été avisé et avéré par Vatsim que effectivement j'avais été victime de vol d'identité, d'accord. Alors malheureusement, comme j'ai dit dans les réseaux d'aviation, la sécurité des internautes, elle n'est pas du tout au rendez-vous, d'accord. C'est ce que je vous avais dit plusieurs fois. Donc voilà, donc j'espère vous avoir expliqué les choses. Et puis bah, quant à nous, on va pouvoir démarrer. Donc on est en France, on part de Lyon, destination Orly. Il y en a pour une petite 35-40 minutes de vol, donc et au niveau de 8-0. Donc en fait, on fait monter, descendre, et puis voilà, on arrive à Orly. Donc voilà pour la soirée, je pense que le planning est plutôt bien. Et puis bah, quant à nous, on va être ready, on va appeler donc Lyon. Et donc tout à l'heure, donc comme je vous ai dit, donc il y a Lyon Approche qui m'a quand même signalé des choses qui se sont passées pendant mon absence. Donc merci à Nicolas qui m'a informé très gentiment de ce qui s'est passé. Donc ces captures d'écran ont été sauvegardées sur l'ordi afin que si on me reproche des choses, je puisse faire jouer ces preuves et ou captures d'écran. Voilà, parce que le staff de la VAT France ne fait absolument rien pour régler les problèmes et dont le directeur n'est pas capable de prendre des décisions. Je veux dire, quand on est directeur, on est quand même capable de prendre des décisions. Abonné du forum. Allez, on va y aller, c'est parti. Et Lyon Tour 120 décimales 450. On va y aller. Bien pris. Lyon Tour, bonsoir, de Speedbird 1787 avec vous en porte Bravo 73, un Boeing 737-800, demande clé en CFR à destination de Orly, s'il vous plaît. Speedbird 1787, Exupéry Tour, bonsoir. Approuvé pour Orly, départ piste 17 droite, Busine de Sierra, niveau initial 7-0, transpondeur 1000. Alors, Busine de Sierra, transpondeur 1000. Donc, ce sera un départ Busine de Sierra pour Orly, départ 17 droite, niveau initial 70, transpondeur 1000, QNH 18. C'est bien pris, merci beaucoup. On vous rappelle pour la mise en route et repoussage Speedbird 1787, merci. Et on est parti, direction Orly, on va rouler dans quelques instants. Lyon Tour de Speedbird 1787, prêt à rouler. Speedbird 1787, roulez par attente, piste 17 droite, il y a un devant, pendant que l'action via Alpha Unité. 17 droite, via Alpha Unité, merci beaucoup. C'est un texto auprès de ce qu'il y a sur le 97. IT notes, checked. V1. Rotates. Positive climb gear up.
Positive claim, ça veut dire que quand vous décollez, vous devez rentrer le train d'atterrissage. Flaps 1. Autopilot on. Speedbird 1787, on a décollé, on passe 3000. C'est à 1787, contactez Lyon approche 125 décibels 8. Merci, bon vol. Avec l'approche 125 8, merci, bonne soirée. Lyon approche, bonsoir, Speedbird 1787, c'est Nicolas, on passe 5000 en montée. Speedbird 1787, Lyon approche, bonsoir, identifié, poursuivez la montée niveau 190. Poursuivez la montée, 190, Speedbird 1787. Je mets la manette des trains au milieu, donc c'est donc là le train est verrouillé, d'accord. Donc voilà, ça évite que le système hydraulique tienne en fait tout ce qui est aspect du train d'atterrissage et tout ça. Donc voilà, et on va passer 10,000 checked. Voilà, c'est fait. Alors, non, pause. Alors, je sais où c'était. Donc là, non, c'est pas là. C'est là. Donc, on va faire 320. Mac 78. Et quant à nous, on se retrouvera donc à atterrissage sur Orly. À tout à l'heure. Nous arrivons à Orly, on est avec donc Orly approche, et après donc ça sera la tour. Oui, bah 1787, vous êtes à gauche, 4310. À gauche 310. À gauche au cap 310, Speedbird 1787. Et donc on a dit la fréquence 118 décimales, 7 après. Alors, Speedbird 1787, contactez Orly Tour 118 décimal 700. Bon atterrissage. 118 décimal 7, merci, bonne soirée. Air Portugal, France Sentinelle. Orly Tour, bonsoir de Speedbird 1787 avec vous, finale approche 25. Speedbird 1787, Orly Tour, bonsoir monsieur, vent 270 degrés sineux, piste 25, autorise atterrissage. 25 autorisé atterrissage, merci.
Alors là, c'est les ventilateurs que vous entendez en fond. Les ventilateurs viennent de se mettre à 5000 tours minute, parce qu'à mon avis, l'ordinateur doit avoir chaud à l'arrière. Ce qui est à peu près normal, parce que la zone d'aérosoft consomme pas mal. Et là, je fais la vue, puisque le temps est plutôt dégagé. J'ai vu. Continue approach. Et on est atterri. Reverse. Diesel. Reverse en normal. Relente. On va dégager prochaine. Voilà. Speedbird 1787, la piste 25 est dégagée. Speedbird 17.